que M. Serbonnet, qui est mon mari, n'ait pas de reproches à m'adresser. Ce qui m'étonne, c'est de le voir partir aussi brusquement. Et cela, au moment même où l'armée française, commandée par le général Bonaparte, vient de faire son entrée dans Milan en chassant les Autrichiens. C'est que ces Français sont autrement plus dangereux que les Autrichiens auprès des femmes. Il y en a un surtout, le sergent Jolicoeur. Je ne crois pas qu'on puisse être plus aimable que lui. Et audacieux avec cela. Ainsi, il profite de ce que mon mari est pharmacien pour venir à toute heure du jour m'acheter deux soutiens-dents. Oh. Cependant, hier, il m'a demandé pour 10 sous d'opium. Que veut-il faire de cet opium-là? Pour 2 sous de chien-dents, s'il vous plaît. Il est revenu au chien-dents. Votre mari n'est pas là? Oh, bonheur! Monsieur Jolicoeur! Pardonnez, c'est la coutume de mon pays. Place Maubert, à Barry, on embrasse les femmes et elles se laissent faire. Oui, mais nous ne sommes pas Place Maubert ici. Nous sommes rue de l'Annunciata, Casa Serbonetti, à Milan. C'est la même chose. Oh, Margarita! Mais si mon mari nous voit ailleurs! Oh, il n'y voit pas. Il est myope comme une taupe en bas âge. Avec ses lunettes, il n'est pas si myope que cela. Avec, mais sans ses lunettes, c'est une citrouille. Nonobstant, laissons-la se cucurbite. Margarita, m'aimes-tu? Monsieur le Français! Sache-le, Margarita, le sergent Jolicoeur n'a qu'un rival dans toute l'armée française pour la réussite dans l'élément cupidonien. C'est un nommé Coco Belœil, sergent au bataillon de la rue Rochechouart. Je ne le connais pas. Tant mieux! Si jamais ce porteur de sardines venait vous demander des choses qu'une honnête apothicaire ne peut accorder, refusez-les lui carrément en lui disant ces simples mots. Jolicoeur a passé par là. Par où par là? La route de Citerre. Oh, je n'y manquerai pas. Et maintenant, au revoir, Margarita. Et à cette nuit. Comment cette nuit? Oui, je suis de patrouille. Votre mari part en voyage, je le sais. Alors, laissez la porte de la rue entrouverte et je viendrai rôder dans les environs. Jamais, monsieur. Ne dites donc pas de bêtises. Tenez. J'ai apporté ce panier de provisions pour un souper super fin. Je n'en veux pas. Songez que si je ne trouve pas cette porte ouverte, foi de soldat français, je me passe mon fusil au travers du cœur. Ouais, bon. À bientôt, Margarita. À bientôt. Il est fou, ce jeune Français. Et il me laisse ses provisions. Que mon mari ne les voit pas. Margarita! 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 Margarita, as-tu retrouvé mes lunettes? Ah. Mon mari! Depuis hier, il a perdu ses lunettes et ne les retrouve pas. Je n'y vois pas. Je me cogne dans tous les coins, j'ai des bosses plein le front. Je me demande où est-ce que j'ai pu mettre mes lunettes. Mon ami? Lorsque vous êtes sorti hier, vous les aviez encore. Ne les auriez-vous pas oubliées? Là vous êtes allé. C'est possible, oui. Enfin, en attendant, tâche de m'en trouver une autre paire dans le tiroir de la commode. J'y vais, mon ami. Il me semble en effet les avoir oubliées hier soir chez la veuve Arrigoni, notre voisine. Cette femme qui fait battre mon cœur d'apothicaire est la bijoutière à la mode de Milan. Tous les hommes sont amoureux d'elle. Et moi, comme je fais partie de tous les hommes, je le suis aussi amoureux d'elle. Il y a un mois, elle a cédé à mes instances et à un collier d'argent acheté dans son magasin pour le lui donner dans son boudoir. Alors me direz-vous, mais malheureux, tu trompes ta femme? Eh bien oui, mais je la trompe de la façon la plus orientale.
Mais que c'est bon de tromper sa femme. C'est bien meilleur que de ne pas la tromper. Aussi, ce soir, je prétexte un voyage à Modène, mais je m'arrêterai à côté chez ma belle veuve. Et je n'y bougerai pas de 8 jours. J'ai des raisons pour cela. Depuis quelque temps, il y a des Français là qui viennent contempler sa devanture et je me méfie des Français. Mon ami, impossible de trouver vos autres lunettes. Ah, mais père Bacco, mais je vais être gêné. Enfin, je m'en passerai. Allez, au revoir Margarita. Au revoir Auguste. Et surtout, prends bien garde aux Français. Et pourquoi donc cela? Parce que... Oh, mais au fait, si tu ne le sais pas, je n'ai pas besoin de te l'apprendre. Allez, au revoir, Margarita. Au revoir, Auguste. Et pendant mon absence, ne gâte pas le commerce. Sache qu'en pharmacie, tout ce qui vaut 2 sous est vendu 3 francs. Oh oui, mon ami. Oui, et que la pharmacie, c'est une affaire de confiance. Au revoir, Margarita. Mais où va-t-il donc? Je me prends le comptoir. Qu'est-ce que c'est de ne pas avoir de lunettes? Je prends le comptoir pour la porte. Au revoir, Margarita. Au revoir. Au revoir, Auguste. Le voilà parti. La nuit est venue. Il faut fermer la porte à clé. Et le sergent Jolicoeur, qui se passera à son épée au travers du cœur si je ne la laisse pas ouverte? C'est grave la mort d'un homme. On trouvera son corps demain matin devant ma porte et je serai compromise. Non, l'humanité et l'intérêt de ma réputation m'ordonnent de ne pas la fermer. Et maintenant, retirons-nous. Je vais tout de même laisser de la lumière pour que le pauvre garçon ne se casse pas le cou. Tiens. C'est la retraite qui ordonne aux Français d'aller se coucher. Dès que j'ai réussi à allumer la lumière, je vais en faire autant. La boutique de l'apothicaire qui vient de me remplacer chez la veuve Arrigoni et je dois être ici dans ses appartements. Tout va bien. Depuis quelques jours, cette belle bijoutière me faisait un œil qui avait l'air de me dire « Je vous passerai bien la main dans les cheveux entre 9h et 10h du soir. » Je me dis « Toi, tu veux prendre du service dans l'armée française. » Je me tâtais, parce qu'un bel homme doit toujours se faire désirer. J'ai vu rôder Jolicoeur dans les environs. La pensée de voir une fois de plus la rue Rochechouart enfoncer la place Môme me traversa l'esprit. La bijoutière était belle, construite comme la Vénus Callipyge, et je lui insinuai dans le tuyau de l'oreille « Ce soir, dans votre arrière-boutique, le plus beau des sergents de l'armée française vous racontera le passage de la Seine que... Dans ce pays-là, on l'appelle le pot. Pour l'âme, j'arrive chez la belle et je commence subitôt à lui raconter avec zèle comment nous passâmes le pot. Nous étions tantôt 25 000 contre 60 000 ennemis. Nous leur administrons une pile dont ils ne sont pas encore remis. Le général plein de courage se met à nous crier bravo. Et l'on poursuit cet avantage sans rester plus longtemps sur le pont.
Allons à mon récit plein d'éloquence, elle prenait de l'intérêt. S'il faut dire ce que j'en pense, je crois que ma voix l'a pincé quand, prenant à son cou d'albâtre un collier d'argent, tout à coup elle me dit d'un ton folâtre : que pensez-vous de ce bijou ? Que pensez-vous ? Que pensez-vous de ce bijou ? J'étais dans cet état cocasse quand dehors on frappe trois coups. Et la belle me dit de grâce, pour me sauver, enfuyez-vous. Pour un sergent français, ma chère, fuir est dur, lui dis-je ébranlé. Mais voyant sa frayeur sincère, par la fenêtre je filais, la commande auprès de ma belle. Je dus m'en aller subito, au point où j'allais avec elle finir le passage du pont. Finir le passage du pont. Pour ne pas compromettre les intérêts de cette veuve à double détente, je saute par la fenêtre avec le collier dans mes mains et je tombe en pleine patrouille commandée par mon animal de rival, Joli Cœur. Je me sauve, il me poursuit, je le dépiste, il me serre de près. Et je n'ai que le temps d'enfoncer cette porte ouverte et de me réfugier ici. Oh non, d'une bombe. Je fumerais bien une petite pipe pour me remettre, moi. Ça nous en grillait une, alors. Ah, sapristi! J'ai laissé ma pipe sur la table de nuit de ma veuve! Hein? Qu'est-ce que j'entends? La patrouille qui revient! Diable! Où me réfugier? La retraite est battue et je n'ai plus le droit d'errer dans les rues de Milan! Margarita! Margarita! Hein? Joli Cœur? Vous avez fermé la porte! La baïonnette est sur mon cœur! Ah bah! Il a une Margarita ici! Elle enfonce! Oh, je ne puis résister au plaisir de le voir croire en sa désarticulation amoureuse! Margarita, je meurs! Mais monsieur Jolicoeur, vous n'y pensez pas! Oh si, j'y pense! Oh mais vous serez bien gentil, bien aimable alors! Oui, je vous le jure, Margarita! Alors, tenez, baisez ma main! Non, oh, volupté! Tiens, elle sent le tabac! Bah tant pis, non, restez là vous autres. Ah. Enfin Margarita, je vous retrouve. Oui, tu la trouves, et moi aussi. Coucou. Bel oeil moi-même. Mon rival encore? Toujours, jusqu'après la consommation des siècles, secoula, seculorum. C'est ta main que j'ai embrassée? Oui, deux fois, tiens. Sans. Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure induse? Et toi? Moi, je suis de patrouille. Ben, moi je la garde passée. Oui. Ça ne suffit pas. À toi, peut-être, mais ça, moi, ça suffit. C'est ce que nous verrons. Mais c'est tout vu. Tu es ici pour Margarita. Crois-tu? J'en suis sûr. Tu profites de ce que son mari est en voyage. Mais en voyage? Oh, mais je te remercie de me l'apprendre. Tu vas déguerpir prestissimo. Mais tu badines, Joséphine. Ou bien, je t'arrête et je te fiche au bloc. Je n'oserais pas. Parce que? Parce que demain, j'irai trouver le mari de Margarita. Où ça? Pour n'importe où, hein. Et je lui dirai que tu fais la cour à sa femme. Toi, tu me le paieras. Ouais, mais tu me diras ton prix, hein. En attendant, tu es de patrouille, hein. Continue à veiller à ce que les Autrichiens n'emportent pas la ville de Milan dans leur giberne. À tout à l'heure, gredin. Mon amour, va. Si tu veux mesurer, mon cher, la longueur de ma bonne épée, pour une pareille équipée, je t'engage à fourbir ton fer. Du fourreau qui va à mon côté, si tu veux connaître la lame, bah tu peux écrire à la dame qui t'honore de sa bonté. Je t'embrocherai comme une oie,
Patte, patresse, mon vieux, je t'envoie. Ne fais pas trop le malade, ne fais pas ces bouts du pain. A bientôt sur le pré, sur le pré. A bientôt sur le pré, sur le pré. A bientôt sur le pré, sans peu je te ferai. Mon bon, je l'espère. Sois-en bien assuré. Bientôt je te ferai mort de la poussière. À bientôt sur le pré. À bientôt sur le pré. Sans peu je te ferai mort de la poussière. À bientôt sur le pré. À bientôt sur le pré. Voilà comment ça se passe. Ce n'est pas tout ça, il paraît qu'il y a une Margarita ici. Il faut que je fasse connaissance avec cette particulière. Par où peut bien être sa chambre? Hein, encore du bruit? Diable, où me réfugier? Ah, ce comptoir. Elle n'était pas seule, hein. Entendez-vous? Elle n'était pas seule. Il y avait quelqu'un. Je ne sais pas qui. Je n'ai pas pu le distinguer. Je n'avais pas mes lunettes. Cette charmante veuve me dit « C'est un nuage qui passait devant votre nez. » Mais il me semble que ce nuage avait un uniforme militaire. Que c'est drôle quand même pour un nuage de se costumer ainsi, hein? Pensais-je dans mon fond intérieur. Elle m'avait presque persuadé, cette vieille veuve. Mais qu'est-ce que j'aperçois sur la table de nuit? Ceci! Ma pipe! Alors, je lui dis, veuve coupable, est-ce la fumée qui fume là-dedans? Cette descendante de la mer des craques me répond, « Ah, mais tu m'embêtes à la fin, Ménélas. Si tu n'es pas content, eh bien, va te promener. » Eh bien, je suis allé me promener parce que je n'étais pas content. « La veuve me reste !»« Il y a quelqu'un ici ?»« Bigre !»« Ah, ça vient du comptoir. Oh là ! » !»« Oh, il y a bien du monde !»« Au bonheur ! » !»« Oh, il y a plus de comment ? Un Français ? Vous voyez en moi un innocent poursuivi par la justice humaine ? Quoi ? Ne me livrez pas, grâce. Mais qu'êtes-vous ? Je suis l'infortuné Sansonné des Batignolles. Sansonné des Batignolles? Tiens, un gentilhomme chez moi. Et comment êtes-vous ici? Voilà, voilà. Figurez-vous que j'avais une femme. Ça arrive à tout le monde, ça. Une cantinière superbe nommée Héloïse. Ah, une vraie bécasse pour le raisonnement. Tout à l'heure, je rentre chez moi. Et qu'est-ce que je trouve? Attendez, je devine. J'y suis. Héloïse ne vous avait pas préparé votre potage. Encore plus grave que ça. Je trouve ma bécasse en conversation criminelle avec un serin de sa connaissance. Mais ça vous fait rire? Oh, je vous demande pardon. L'accouplement d'un serin et d'une bécasse, hein. Et puis, c'est toujours drôle un mari trompé, hein. Voilà une chose qui ne m'arrivera jamais à moi. Ah bon? Vous êtes garçon? Non, non, j'ai une femme. J'ai une femme dont je suis sûr. Et dites-moi, oui. Qu'est-ce que vous avez fait au serin et à la bécasse? J'ai poignardé le serin et je me suis sauvé devant les cris de paon que poussait la bécasse. Ah, oui. Voilà pourquoi je me cache. Me livrerez-vous, homme généreux, à la pâture de mes féroces ennemis? Bon, jamais. Et puis... Vous avez un ventre qui me plaît. Mais c'est le ventre d'un honnête homme. Oh, je veux bien le croire. Mais il faut vous trouver une cachette au cas où on ferait fouiller les maisons. Hein. Oui, oui. Je m'en occupe. Enfoncez le bonhomme. Voilà.
Ne bougez pas, hein. Je prends la lumière. Oui. J'en ai besoin pour parcourir le grenier. Hein. Hein. N'ayez pas peur. Oh, ces hommes mariés. Le v'là parti. Comme pharmacien, il a plutôt bien avalé la pilule. Me voilà impatronisé dans la place et il va me présenter sa femme. Allons, allons, je crois que le bataillon de la place Mauve est distancé. Oh, j'ai entendu du bruit. Ça doit être Monsieur Jolicoeur. Mais quelle imprudence. Hein? Une forme féminine. Monsieur Jolicoeur. Mon petit Monsieur Jolicoeur. Diable! Il était avancé, le patrouilleur! Répondez pas! Ne serait-ce pas vous? Mais répondez-moi donc! J'ai peur! Ne craignez rien, ma toute belle. J'ai trouvé le moyen, ma toute reine, d'arriver jusqu'à vous sans qu'un soupçon jaloux n'éveilla votre époux. Sans qu'un soupçon jaloux n'éveilla votre. Qu'avez-vous fait? Quelle imprudence! Si l'on vous surprenait ici, qu'irait dire la médisance? Vraiment, je n'ai le cœur saisi. Protégez-moi de la patrouille. Remisez ma patrouille. Hé hey, la rue Rochechouart, es-tu là? Réponds donc, grand lâche. Personne. Il a déguerpi. La place me reste. Il s'agit maintenant de souper avec ma belle Margarita. Et, pour finir, d'un seul coup, j'ai fourré dans la bouteille de vin qui accompagne mon souper une certaine dose d'opium qui nous permettra de faire plus amplement connaissance. C'est canaille. Mais je lui en demanderai pardon après. Allez, allons-y. J'entendais... Bigre! Quelqu'un avec une bougie. Il va allumer, on va me voir, là. Voilà. Je vous ai trouvé une cachette superbe. Le mari, non d'une pipe. J'ai eu de la peine parce que je ne trouvais pas mon chemin. Je suis flambé. C'est que je n'ai pas mes lunettes, voyez-vous. Et sans lunettes, je voyage dans de la fumée. Eh bien, sans sonner des batignolles, vous ne me remerciez pas. À qui en a-t-il? Ah, je comprends.
Vous en êtes encore au coup que vous avez porté à la bécasse. Hein? Ah, et au fait, et la bécasse, qu'est-elle devenue? Vous l'avez aussi frappée? Qui ça? La bécasse. La bécasse? Ben oui, Héloïse, votre épouse. Mon épouse? Mais je n'en ai pas. Comment vous n'en avez pas? À l'instant, là, vous venez de me dire que... Moi? Ben oui, vous, sans sonner des batignolles. Oh. Tiens, vous avez maigri. Ah, je comprends, il me prend pour un autre. Profitons-en. C'est l'émotion, la douleur. Ah oui, et alors, si vous n'avez pas d'épouse, qu'est-ce que vous faites ici? Quand je dis que je n'ai pas de femme, je veux dire que j'en ai sans en avoir une. Ah oui, je comprends, du fait que le serin vous l'a reprise. Le serin, la bécasse, qu'est-ce que c'est que cette volaillerie? Bon, allez, venez dans votre cachette. C'est que... C'est que quoi? Vous ne voudriez pas quand même que je vous présentasse à ma femme, non? Précisément. Ah bon? Soit. Ah. Bichetta, cara mia, cara dorata, c'est moi, ton petit mari. Oh, je suis perdue. Elle est perdue. Elle est perdue. Coco Belleuil est là. Enfin, si elle est perdue, il faut la retrouver. Mais enfin, mais Margarita, mais qu'est-ce qui te perd comme ça? Me voici, mon ami. Alors, me voici. Mais je n'ai rien. Comment tu n'as rien? Mais à l'instant, tu viens de t'écrier « Ah, je suis perdu !» Je me suis écrié cela, moi. Ben, certainement, oui. Je rêvais, mon ami. Je rêvais. Ah, c'est cela, oui. C'est cela. Bon, enfin, cher ami, permets-moi de te présenter un jeune assassin de mes amis. Lui? Comment? Lui? Tu le connais? Oh, mais non, mon ami. Ah. Mais si lui est ici, qui donc est là, chez moi? Madame? Enfin, quand je dis assassin, c'est plutôt un poignardeur pour le bon motif. Hein. Et c'est pour cela qu'il faut que je me cache. Il me semble que je serais très bien dans la chambre de madame. Dans ma chambre? Ah, tiens, je n'y avais pas pensé. Personne ne viendra le chercher dans ce sacré tabernacle. Mais non, c'est impossible. Et pourquoi ça? Dans ma chambre, oui. Mon ami. Mais ce ne serait pas convenable. Oh, mais c'est vrai. Je n'y avais pas pensé. Oh, mon cher Sansonnet, il y a des détails qu'un mari seul... Enfin, vous me comprenez, hein? Allez, venez dans votre cachette. Compose, il y a quelqu'un chez vous. Oui. Mais qui ça? Mais je ne sais pas. Je croyais que c'était vous. Eh bien Voilà. Je remercie madame. Oh, ça, ce n'est pas la peine. Allez, passez. Attends-moi, hein, Margarita? Oui, Auguste. Oh, il faut absolument que je sache qui a eu l'audace. Oh, mon Dieu. Monsieur, venez ici, s'il vous plaît. Oh, me voilà, moi, adorée, ma dulcinée du topos. Mais je ne vous connais pas, monsieur. Ni moi non plus. Bien que, cependant, tout à l'heure, nous ayons quelque peu entamé la connaissance. Monsieur le sergent, je vous prenais pour un autre. Pour joli cœur. Non, je vous prenais pour mon mari. Oh bah, ça m'a fait plaisir. Oh, embrassez-moi encore, Margarita. Allons, un petit bécou. Allons, pressons. Mon mari va revenir. Oh, mais nous ressouperons, voilà tout. Oh. Je vous en supplie, au nom de mon honneur, partez de ce côté. Voilà, il est en sûreté. Mon mari! Oh, Santa Madonna! Ah bah! Eh bien, papa, comment cela va-t-il? Mais comment, mais? Vous êtes redescendu? Oui, je redescends très vite. Hein. Enfin, je viens de vous serrer là-haut, et vous revoilà ici? Vous venez de me serrer là-haut, oui. Dites comme lui! Ah, mais je comprends. Vous êtes redescendu par l'autre escalier. Oui, par l'autre, oui. Et pourquoi êtes-vous redescendu? Pour vous prouver que je savais aussi bien descendre que monter. Ce cher ami, tiens, vous avez rengraissé. Oui, c'est la fin. J'ai un de ces appétits de caniche, moi. Oh, Margarita, aurais-tu quelque chose à préparer, à donner à notre ami? Oh, absolument rien. Pourtant...
Il me semblait avoir niflé dans l'air. Quand on vous dit absolument rien. Heureusement que je ne voyage pas sans biscuits, hein, parce que figurez-vous qu'au moment où j'ai quitté ma femme... La bécasse ? Oui, la bécasse. Mmh. Il y avait devant elle un superbe panier de provisions. Des provisions de guerre ? Non, de bouche. Pâté milanais au foie de canard, poulet rôti, saucisson à l'ail et bouteille de vin d'Asti superbifique aux gracieuses. Mon souper de joli cœur ! En sorte que, en m'enfuyant, je sautais sur le panier et m'esquivais en sa compagnie. Ah, homme de précaution, hein. Et que, par distraction, je l'ai apporté ici, ce panier. Ah bon ? Il est là, tenez, je l'ai caché dans cette chambre, là. Oh, quel aplomb ! Et il va venir de lui-même, car je le lui ordonne. Allez le chercher. Mais allez le chercher. Je le sens. Il va apparaître. Renifler, pharmacien. Renifler. Je renifle, sergent. Je renifle. Le voilà. Comment? Dans la chambre de ma femme? Je rêvais, mon ami. Je n'ai pas entendu. Monsieur, il y a porté. Allez, mettons le couvert, mon vieux Milanais. Oh, oh, allez, mettons le couvert. Oh, les gredins, ils vont manger mon souper. Ratafla, 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 rat
celui de la rue, Rochechouart. Quand paraît son pompon, pas tout vous en déplaise. Les hommes s'écrient bien haut, Crucy, Crucy, qu'ils sont donc beaux. Vive la 12e demi-brigade, chacun admire à la parade. Quand elle passe, tambour battant, moi chante pas superbement, ratafla, 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 qu'il est beau ce bataillon-là. Ratafla, 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 qu'il est beau ce bataillon-là. Ratafla, 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 qu'il est beau ce bataillon-là. Ratafla, 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 qu'il est beau ce bataillon-là. Chercher une miche. Oh, ben ça va, j'y vais. Mais mon ami, enfin. Oh, mais ne crains rien, Margarita. Je te laisse avec mon ami Sansonnet, là. Sansonnet des Batignolles. Prends bien soin de ma femme. Hein. Mais vas-y, de confiance, Augusto. Oh, et maintenant que nous sommes seuls. Pardon, je suis là, moi. Oh, la place, mon ami. Oh, monsieur Jolico. Baissez-vous, infidèle. Eh bien, mon vieux. Que dis-tu de Coco Valeuil ? Je dis que tu vas à l'instant me rendre raison. Mais de rien du tout ! Tu es enfoncé, tu resteras enfoncé. Voilà, voilà, voilà. Hein ? Le mari, passé, oui. Bah, c'est bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a par là ? Mais qu'est-ce qui est fait ? Il n'y a rien, c'est ta femme qui balaye les miettes. Ah bon, c'est cela. Ouais, bon, allez, à table et rebuvant. Oui, rebuvant, oui. Yeah. Il faut bien que ce pauvre monsieur Jolicoeur ait sa part. Hé, maintenant. Contons-nous comment les bécasses trompent les sansonnets avec les seringues. Imbécile, va. Comment? Imbécile. Mais... Ah, pas fini. Pourquoi tu m'appelles imbécile, sansonnet? Mais je n'ai rien dit, n'est-ce pas, madame? Oh, pour sûr. Le sergent n'a rien dit. Vos oreilles vous auront... corné. Ah ouais? Oui. Ouais, il m'avait bien semblé pourtant que... Bon, enfin, allez, conte-nous ta mésaventure conjugale. Je le veux bien, mais à la condition que ta femme boit. Mais je bois, je bois. Les maris, c'est fait pour être trompés, hein, n'est-ce pas, madame? Oh, pas tous. Vieille ganache. Quoi? Comment alors, cette fois? Je l'ai bien entendu. Ça, ah, cette fois? Si, j'ai bien entendu. Vieille ganache. Vous rêvez, mon ami, vous rêvez. Il rêve. Je le jure.
joli cœur. Monsieur joli cœur. Et lui aussi. Oh, mais qu'y avait-il donc dans ce vin? J'ai bien fait de n'en pas boire. Mon Dieu, ils me font peur. Comment les réveiller? Avec de l'eau, peut-être? M'avez-vous pas dit que c'était de mon vin que vous me faisiez boire? Parce qu'il était... sophistiqué, oui. Oh, avec votre opium. Pour abuser de moi. Bah oui. Mais vous êtes un misérable, monsieur. Oui. C'est un misérable. Bon, ben, moi, je vais me coucher. Hein. Où donc cela? Dans votre chambre. Oh, mais je ne veux pas. Oh, mais moi, je veux, hein. Mais non. Oh, puis je peux pas me faire la musique du vieux, là. Non. C'est à devenir folle. Oh, Sœur Bonetti, Sœur Bonetti, mon ami, me réveillez-vous? Ah, quoi bon? Oh, arrière, monstre, empoisonneur! Ah, c'est comme ça? Oui, c'est comme cela. La rue Rochechouart l'emporterait encore. Eh bien, jamais! Réveillez-vous! Réveillez-vous! Mais il se réveille pas, hein? Allons. Ah, cette carafe. Mais non. Eh, mais si. Oh, oh là là. Mais qu'est-ce qui me coule, là? Ça me dégouline de partout. Je suis tout en sueur. C'est l'émotion. Sœur Bonetti, ta femme te trompe. Il y a un homme caché dans sa chambre. L'homme perbaco. Ce n'est pas vrai! Un homme de mon sexe? Ah, misérable! Je suis perdu! Dehors, monsieur! Dehors! Dehors! Quant à vous, je vais vous faire arrêter! Oh là là, je vous arrête! Bien fait! Qui ça? Vous? Ah. Oui? Comme tapageur nocturne! Quel aplomb! Ben, elle est raide, celle-là! Tout à l'heure, un homme s'est enfui par la fenêtre de votre voisine, la veuve Arrigoni. Cet homme, c'est vous, je vous reconnais. Vous, monsieur? Non. Je te jure, Bibiche. J'en ai les preuves. Une pipe en porcelaine a disparu de chez cette veuve. Cette pipe, c'est vous qui l'avez. Non. Elle est là, dans votre poche à droite. Fouillez, madame, fouillez. Non. C'est inutile. La voici. Je suis confondu. Oh, c'est trop fort. Oh. Je confisque la pipe, moi. Monsieur mon mari. Oui. Qu'alliez-vous faire chez cette bijoutière à 7 heures de nuit? T'assure, Bibiche, non, mais je suis pas, non, c'est pas moi. Ah, mais attendez, je vais vous le dire, moi. Biche, ma biche. Il allait tout simplement pour vous acheter ce colis d'argent qu'il vient de me charger tout bas de vous offrir. Oh, qu'il est joli. Mon collier? Ben dites donc, là, comment se fait-il que ce collier se trouve entre vos mains? C'est Sansonnet qui vient de me le remettre. Moi? Sans sonner des batignolles? Ah, je devine. C'est lui qui s'enfuyait par la fenêtre. Ah, le misérable. Augusto, pour le collier. Oui. Je te pardonne. Ah oui. Ah, vous alliez aussi chez cette veuve? Ah non, là, je suis. Ah, plus un mot! Je sais à quoi m'en tenir! Ah! Mon ami, mon ami, mon bienfaiteur. Oh. Ah, mais, car c'est mon ami, mon vrai ami, mon véritable ami, c'est bien lui. Hein. Dites donc, oui. Vous viendrez déjeuner et dîner avec nous tous les jours. Oh, mais on sait trop. Ma femme vous en prie. Eh bien, prie-le, Bibiche, je te l'ordonne. Pour me faire plaisir. Oh oui, monsieur. Oh. Je vous en prie. Oh, ben alors j'accepte, moi. Eh bien, moi aussi, j'accepte. Ah, vous? J'avoue. Oh, ah. Très bien. Ah,
Mais si, il se fait tard. Rentrons chacun chez nous. Augusto, oui, veux-tu me permettre d'embrasser ta femme? Ça me fera plaisir. Oh. Mais alors, tiens la chandelle. Je la tiens. Voulez-vous que je vous aide? Oh, avec plaisir. Le plus beau régiment de la République française vient implorer l'appui du public aujourd'hui. Il voudrait qu'en sortant le public ravidaise répète avec entrain son gai refrain. Car la 12e demi-brigade serait à son tour bien malade si le spectateur inhumain refusait de faire de demain ratafla, 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 qui les pose bataillons là, ratafla, 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 qui les pose bataillons là, ratafla, 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 qui les pose bataillons là, ratafla, 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 qui les pose bataillons là.